Eh bien, salut à toutes et à tous, Sœur 404, et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous donner tous les détails sur la nouvelle mise à jour Dragon Ball sur Fortnite. Tout d'abord, il y a 4 nouveaux skins en collaboration avec le manga qui sont Goku, Vegeta, Beerus et Bulma. Ils ont tous des prix différents, puis il y a des réductions si vous les achetez en pack à la place de les acheter à l'unité. Et Goku et Vegeta sont les plus chers car ils ont 4 variantes différentes que les joueurs peuvent changer dans leur casier ou en pleine partie avec une émote intégrée. Il existe aussi 4 accessoires supplémentaires dans la boutique et il s'agit du nuage magique, d'une nacelle, le bâton et la carapace de Tortue Géniale et l'emote Danse Fusion. Cet événement ajoute aussi un nouveau pass de combat gratuit qui inclut quelques récompenses telles que des émoticônes, des tags, des niveaux, un sac à dos et 2 emotes. Pour les obtenir, vous devrez réaliser des quêtes en lien avec Dragon Ball pour obtenir de la puissance et plus vous en aurez, plus vous pourrez obtenir des récompenses, mais vous pouvez aussi acheter des paliers pour finir plus rapidement le pass. En plus de ça, si vous faites toutes les quêtes, vous obtiendrez des Dragon Ball et quand vous en aurez 7, vous pourrez obtenir le planeur Shenron gratuitement. Et il sera payant dans la boutique quelques temps plus tard. Et vous avez jusqu'au 30 août pour faire les quêtes. En partie, vous tomberez sur des panneaux qui vous proposeront de faire des duels contre des adversaires. Ces panneaux remplacent les contrats et vous permettent de réaliser quelques défis. Dans certains distributeurs et dans les capsules corporations qui tombent du ciel, vous trouverez des nuages magiques et des Kamehameha appartenant à Goku, qui sont très puissants, mais qui vous rendent vulnérables si vous les utilisez. Le nuage a un usage infini et vous permet de vous envoler pendant quelques secondes, et le Kamehameha est un laser puissant et très précis en 3 charges qui vous permet de faire beaucoup de dégâts à vos adversaires. La Kamehouse qui se trouve dans le salon est apparue dans la map tout à l'ouest. Si jamais vous y allez, vous réaliserez un défi et vous pourrez acheter des Kamehameha et des nuages magiques auprès de Bulma. Du 16 août au 17 septembre, vous aurez l'occasion de regarder quelques épisodes de Dragon Ball Super sur des maps en créatif. Et vous pouvez regarder les épisodes 9, 10, 11, 13, 81 et 98 dès maintenant. Et tous les codes sont en description. Le 19 août, il y aura une map en créatif qui vous permettra de parcourir les lieux emblématiques du manga et de vous entraîner dans une arène uniquement au Kamehameha. Et un tournoi est prévu le 18 août et il vous permet de gagner une émoticône Vegeta, un tag de Beerus et une icône de bannière. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à donner votre avis en commentaire. C'était Or404, ciao ciao.